Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, un peu bricolage toujours, hein. Un peu le principe de la chaîne, je pense que vous avez compris, enfin un peu tout. Il y a de la trottinette principalement, mais tout ce qui peut en découdre sur le bricolage, on n'est pas contre aussi. Donc, je vous fais partager un peu ce que mon dernier achat hier, quand j'ai vu ça, j'ai fait tiens, je fais ça se tente. Hein. Donc, ça peut être utile. Alors, c'est un outil, c'est entre guillemets la Dremel de chez Action. Alors, c'est vendu au prix de 19,90 €. Tu vois, ça avec le petit coffret d'accessoires. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est qu'elle est vendue avec le aller en chargeur USB-C. Il y a le câble avec, mais le câble, maintenant on s'en balance, tout le monde a des câbles. Donc c'est une petite Dremel en 8 volts avec une batterie 1,5 ampère. Je te cacherai pas que si jamais tu l'ouvres, à mon avis, c'est un accu chinois facilement remplaçable. Donc si jamais tu veux un accu de 3 ampères, tu dois pouvoir. Ou des 2,5 là. Des bons accus, tu sais comment dire. Comme les cigarettes électroniques. À tous les coups, c'est encore des accus comme ça, faut que je prenne le temps de voir ce que c'est. Il me note pas, non, non. Mais donc voilà, 8 volts Lyon. Donc à tous les coups, hein, de toute façon, c'est des accus 1850 ou un 21 700, un truc comme ça quoi. Donc tu peux mettre autre chose. Voilà. Donc niveau qualité, enfin présentation, c'est pas mal. C'est plastique dur ici, plastique un peu anti-dérapement sur les bords. Hein. Donc là, tu as le bouton marche arrêt. Hein. Et ça, c'est pour augmenter les vitesses de rotation. Et celui-là, c'est le petit bouton de verrouillage du mandrin. Hein, comme souvent. Voilà. Donc tu restes enfoncé. Vas-y, tu restes enfoncé. Alors. Ah, voilà. Donc, elle est pas mal parce que tu vois, elle est quand même. Quand tu es en train de travailler, du coup, la zone est éclairée quand même. C'est pas mal. Tu vois. La vitesse est quand même assez. Alors, niveau autonomie, je pense que ça va pas être. Ce sera pas fulgurant avec 1,5 ampère, hein, mais je pense qu'il y a moyen de travailler un bon quart d'heure, 20 minutes avec, facile quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le. Comment? Attends, un peu plus ça. Ouais, voilà. Bien foutu hiver, le mandrin a l'air pas mal. On va essayer de mettre un accessoire pour faire un petit essai pour voir. Alors, au niveau du coffret. Vendu avec des tampons de ponçage, une pierre à poncer, des petits tampons à polir, ça peut être pratique aussi. Ce qui sert le plus fréquemment en général dans les Dremel, j'espère qu'il y en a. Voilà, c'est ça. Voilà, coffret de disque. Alors, ça, c'est les disques. Quoi, on va sortir. Hein. Il y a des disques à. Moi, ce que je me sers le plus, c'est ça. Mais en général, je monte des disques diamants qui sont plus qualitatifs. Donc, on va monter un outil pour faire un petit essai. Donc, voilà, comme je vous disais, les disques diamants que j'utilise, moi, c'est ceux-là. C'est universel, hein, ça va sur. Tu peux mettre sur Dremel là-dessus, tout support. Hein. Voilà, en plus, tu as le support disque qui est vendu avec. Donc, et ça, avec ça, ce qui est bien, c'est que tu peux tronçonner ou meuler. Parce que tu vois, la surface, elle est rugueuse aussi bien là qu'au bout. Donc, et franchement, ça découpe ferraille, plastique, tu découpes tout, tu meules les écrous, tout ce qui est boulon, machin, inox, franchement, fonte, c'est incroyable. Les trucs qui. Pour le prix, je sais plus, faut regarder si ça se vend. Moi, j'achète ça sur Amazon. Ou AliExpress, je sais plus du tout. C'est que j'ai commandé la dernière fois. Ça vaut rien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester
Du coup, la petite machine là, on va la tester. Bon, avec la pierre, on va essayer de nommer le disque, le tournevis là. Tournevis que j'ai plié la dernière fois. On va essayer de la réparer. Pas l'air trop mal en fait déjà. La petite pierre marche plutôt bien. Je m'attendais à ce que ce soit une pierre de merde. Mais en fait, elle a même pas bougé la pierre. Pourtant, le tournevis, l'embout de tournevis, il est traité, tu vois. Donc sur quoi on pourrait essayer. On va se faire un essai sur une tête de boulot comme ça, voir un peu. Un bon couple. Oh. Et elle a quand même un bon couple. Je m'attendais à ce qu'elle peine. Wow. Ça c'est plutôt pas mal, mon trouvoir. Ah oui. Bon alors tu vois, tu peux pas faire de la. Tu peux pas faire de la prépa complète d'un moteur avec ça. Mais si tu as besoin de te déplacer, quand tu bricoles, comme là des fois, tu vois, moi je suis en train de bricoler dehors, tu veux juste découper une tête de vis ou un truc comme ça, tu prends ça, c'est nickel quoi. Tu vois, et faire fabriquer en USB. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que pour le niveau de batterie, je trouve ça un peu dommage. Au début, je pensais que ça avait indiqué le niveau de batterie. Mais non, c'est vraiment le. C'est juste la vitesse. Tu vois? Bon, après, c'est pas grave. Hein. Tant pis. Hein. Donc voilà. Donc pour 19,90€, celui qui fait un peu de bricolage chez lui, si jamais tu bricoles. Un peu comme je fais, des fois que tu bricoles un peu de trottinette ou des trucs comme ça, que t'as des petits trucs à poncer, ou tu vois quoi. Parce que des fois tu frottes ta trottinette, t'as une bavure à l'arrière sur un bras quoi, qui a tapé, tu veux le poncer un petit coup, c'est largement suffisant. Pour 20 balles, franchement, ça fait le taf à mort quoi. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous servir à quelqu'un. Hein, allez, à bientôt l'équipe, ciao.